beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big, a big hot sun beating on the big people in the big hard world. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. When I see a pin of charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again. She is comfort by my side. When I try to understand, she just opens up her hands. Fait que là, c'est le début de notre voyage. Comme vous pouvez voir, on est sur notre rue, Linden. Bonjour. Et qui est étonnant. Fait que là, on va prendre un petit déjeuner, Blanche-Neige, pour nous donner l'énergie d'aller faire beaucoup d'autobus. Au moins 30 minutes d'autobus, c'est ça, John? 30 minutes! Fait que c'est ça, c'est le début. Qu'est-ce qu'on fait après? Après, on verra ce que le destin nous amène. Comme ça. Et t'es fou! On vient pas. Ok, bye bye! Bienvenue à l'immeuble canadien. Vous pouvez voir ici.
Vous pouvez voir le beau ciel. Vous pouvez voir le fleuve. Et qu'est-ce qu'on voit là? On voit Freddy. Dis bonjour, Freddy. Qu'est-ce que tu fais là, Freddy? Je sais pas. Est-ce que vous avez campé là? Peut-être. Ah, c'est vraiment, vraiment aventurier. Ben, on fait avec tous les moyens qu'on a. T'as-tu un mot de la fin? Bye bye! John, c'est quoi ta réaction de voir l'ours? Premièrement, c'est bon, mais là, il ne sent pas parce qu'on est en très bon. Alors ici, on a Frédéric qui va essayer sa première poutine aux crevettes. Tu parles de la Gaspésie, hein? Donc, on va goûter sa première frite. Ça goûte les frites. Je vais faire un peu de fromage crevette. Hello les friends! On est en train de piquer la tente à percer. On a un beau petit spot. Il fait frette. On va rentrer Johnny qui fait la tente. Ah, c'est ça mon marteau! Tu vas pouvoir me voir à l'œuvre? Oui. Alors, on est arrivé ici et on n'avait pas de pique parce que on n'est pas des vrais campeurs, on ne sait pas comment ça marche. Alors, t'es allé voir monsieur, je m'en avais plus son nom. Gilbert. Gilbert, c'est vrai que Gilbert. Il est toujours là pour nous prêter des pics quand on en a besoin. Et là, Gilbert nous a évité de la misère. Comme on dit de tous les bons Gilbert. Je vais vous montrer notre spot. On va attendre ce bruit-là toute la nuit. Et le rocher percé est juste là. La fille, t'as-tu trouvé le rocher percé? C'est ça de l'air de quoi? Mais je sais pas, j'ai pas vu là, je trouve pas. Oh, c'est bien plate qu'on le voit. Déçu. C'est bien plate qu'on le voit pas. Je sais. En tout cas, on va dire un mot de la fin. Merci. Ok. Refais-le, Jolie! Non! Jolie! Alors, bonjour. Aujourd'hui, on a découvert qu'on est les seuls campeurs de toute la Gaspésie. De toute la Gaspésie au complet. On est les seules personnes assez stupides pour mettre une tente. Alors, toute la Gaspésie, peut-être même tout le Québec, on sait pas. Il fait frais, il pleut, puis notre tente, elle coule. Il y a des petites gouttes qui arrivent du plafond, là. Johnny! Hello! J'ai grand été, j'ai vraiment froid. Mais raconte ta soirée, ta nuit. Alors, on décide de faire du camping à Percé. Puis il fait vraiment... Sur le bord de l'eau. Sur le bord de l'eau. Il fait vraiment froid. Puis, Anne-Fred ne voulait pas dormir avec moi. Il faut que je dorme dans mon petit sac tout froid. Puis je grelotte. Regarde. Mais on a les clés de cette place-ci. Mais cette place-ci n'est pas chauffée, fait qu'il fait autant froid partout. Yeah. C'est vraiment ce que j'ai plein à faire. Tous les campings qui ont ouvert hier, je ne peux jamais y aller.
Alors, Freddy, qu'est-ce qu'on a ici comme déjeuner? Oh! Tu veux manger ça pour déjeuner? Ça, puis deux Bruno. Ça, puis deux Bruno. Bon déjeuner. On va te regarder manger un peu. Mange. C'est comme si de rien n'était. Hello! Oh. C'est parti. Salut les amis! Je viens de trouver un rocher fancy! Wow! On va aller dada, on va aller dada avec un fred. Oh, it's not percé. Yeah, I don't know. Maybe it's like that. Is it? I don't think so. Oh, no. It's the wrong rock. Oh, goodbye. Bye-bye. See you next time. See you next time. Alors, un crédit. Comment est-ce que t'as aimé le homard? Comment ça? Mais les crevettes, c'était meilleur. Oui, que... Ben, j'ai aimé ça faire. Pour... C'était froid. C'était cuit? Oui, mais froid. Comment ça? Ben, on l'a pris cul sec. Alors, voici de quoi ressemble Winnipeg. Ok, tu peux sortir! Là, Johnny est tout mêlé. Il est vraiment mêlé. Dis bonjour. Bonjour. Dis salut. Salut. Dis ça va. Salut. On est où, Antoine? On est à la... Oh! Place du béton. Beton City. We are in Beton City. We're never leaving Beton City. It's a construction world. Oui. On va me dire quand on est de Alors bonjour tout le monde, on est arrivé enfin en Alaska. Et je sais pas si vous savez il est quelle heure, mais présentement il est 11h15, Jonathan? Environ, oui, 11h15. Donc voilà, le soleil est en train de se coucher. Et en plus, on vient de Seattle, donc une heure de moins, fait que pour nous il est comme minuit. What the fuck? Hein? Puis pour le monde de Québec, il est quelle heure là? C'est 11h, ben il est 3h. 3h du matin. Puis nous on est là, puis on pense qu'il est 6h du soir, on est mêlés. Moi, je me sens bien. Je suis très content d'avoir tiré Alfred hors de bien. Pour ceux qui ne le savaient pas, à l'aide de ma ceinture, que voici, Alfred s'est accroché à moi et j'ai grimpé avec elle, accroché à moi. Je suis très fort. Merci. Faut qu'il coule. Faut qu'il crinque les chiens. Il a sans doute excité. Thank you.
Tu peux régler la main? Oui, je... Ça doit faire mal. Non, on a de la peau, on a déjà. Hein. Ah. T'as attendu le mot? Oui, j'ai entendu. Give. Come here. Sit. Lie down. Roll over. Give me the paw. Give me your paw. Give me the other paw. Give me the paw. Give me the other paw. Roll over. Roll over. Sit. Lie down. Roll over. Give me the paw. Give me the paw. Good boy. Journal d'abord. Comment te sens-tu après 5 jours d'autobus? Journal d'abord. On est sur le bord d'avenir Montréal. Je me sens très bien. On est quasiment là. J'ai bien hâte. Je suis fatigué. J'ai encore les cheveux enflés. Ils avaient arrêté d'enfler hier parce que je les avais montés. Mais j'étais obligé d'aller m'asseoir comme une personne normale. Fait qu'ils ont re-enflé. Ce soir, j'ai hâte que mes chevilles désemplent. Mais en gros, je suis content d'arriver chez nous. Bye bye. Bye bye.